Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, nous avons vu un exemple de dérivée fonctionnelle. On peut le généraliser, et c'est même très facile en fait. C'est particulièrement élémentaire, alors cette vidéo sera assez courte. Donc, supposons qu'on ait une fonction u de x, exemplaire d'un ensemble de fonctions possibles, et on définit phi de u qui à chaque fonction u donne un nombre donné. Donc les paramètres de cette fonction sont des fonctions u. De fait, on dit que phi est une fonctionnelle. Elle prend ses valeurs de ses paramètres dans un ensemble de fonctions et donne un résultat qui est un nombre. Une telle fonctionnelle peut être différenciable, c'est le même principe que pour les fonctions, à condition que, à une variation de delta u corresponde, donc une variation de la fonction u, corresponde une variation de phi qui puisse s'exprimer linéairement en fonction de delta u. C'est-à-dire qu'on aura que delta phi est égal à phi de u plus delta u moins phi de u, donc c'est la variation de phi, qui peut alors s'écrire comme l'intégrale d'une certaine fonction d de x fois delta v, delta u de x fois dx. Donc, elle s'exprime linéairement en fonction des variations delta U, plus un petit reste qui est de l'ordre de delta U au carré. Si les delta U en différents points, donc delta U en x1, delta U en x2, sont indépendants, donc si les variations sont indépendantes, alors on retrouve exactement ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, et des x n'est rien d'autre que la dérivée fonctionnelle de phi par rapport à u, ou u de x. D de x est le coefficient de variation de phi avec les variations delta u, qui ont donné naissance à la variation de phi. C'est le même principe que pour les dérivées, sauf qu'ici, on parle de fonctionnel. On peut faire deux remarques. D'abord, pour que les variations delta U soient indépendantes en tout point, il faut qu'on puisse obtenir par toutes sortes de variations, toutes sortes de fonctions possibles. Il faut donc que l'ensemble des fonctions possibles, U de X, soit assez gros et admettre y compris des fonctions qui sont plutôt discontinues, voire proches d'une distribution. Donc ça, c'est une condition qui en général n'est pas si contraignante. On a d'ailleurs la même exigence pour des dérivées ordinaires, si on veut que les dx1, dx2, dx3, etc. soient indépendants les uns des autres. Sauf que là, c'est plus simple, puisqu'on fait varier une variable et non une fonction. Ensuite, on peut encore généraliser en traitant de plusieurs variables, x, y, z. Donc, u de x, y, z, par exemple, pour tout l'espace, ou x, y, z, t. Cela se généralise très facilement, c'est immédiat. Ça ne change rien, absolument rien, à ce que nous voyons ici. Et ces variables x, y, z peuvent même être les éléments d'un espace Rn, donc un espace réel à n dimensions, ou un espace complexe, Cn. Ça peut être un espace complexe. Dans ce cas-là, d de x
est un vecteur réel ou complexe de dimension n. Tout simplement, et tout ce que nous voyons ici est identique à cette distinction près. Et voilà, c'était pas plus compliqué que ça pour généraliser la notion de dérivée fonctionnelle, de fonctionnelle et de dérivée fonctionnelle, d'une manière totalement générale. Dans la prochaine vidéo, nous reviendrons au formalisme lagrangien, qui est notre objectif, et nous verrons la dérivée fonctionnelle de l'action et les équations de Lagrange qui en découlent dans l'optique d'une formulation continue. Je vous remercie.